Креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. Спасенья полнота на блаженство право.
fait combien de temps que tu viens? Ça fait 5 ans. 5 ans que je viens, tout au mois de mai, une semaine. Bon. En 1866, donc c'est pas très longtemps après les apparitions, on inaugure la basilique, qui est la plus ancienne, quoi, l'Immaculée Conception, avec les deux bras de la rampe, de l'arche. Et au départ, quand les premiers malades arrivent, ben, y a rien pour les accueillir. Il y a quelques personnes dans Lourdes qui accueillent chez eux. Sinon, on met les malades sous les arcades, y compris pendant la nuit, en attendant de pouvoir passer à la grotte, reprendre le train et repartir. Donc très vite, on s'organise. Il y a une famille dans Lourdes, la famille Saint-Fray. D'où le nom du premier accueil à Marie Saint-Fray, c'est donc la fille de cette famille, qui décide de faire une collecte. L'évêque de l'époque dit « Très bonne idée, mais on n'a pas un sou ». Eux non plus, ils ont fait la quête et on dit d'ailleurs que dans les cafés de Lourdes, c'est là qu'on a quasiment été les plus généreux. Donc c'est très vite aussi, hein, une dizaine d'années après, que le premier accueil peut voir le jour. Et ici dans les sanctuaires, les grands bâtiments qui sont de l'autre côté du Gave, qui sont les plus anciens, font partie des premiers accueils, accueil Notre-Dame, accueil Sainte-Bernadette, qui ont fonctionné, j'en suis sûr, pour le diocèse d'Autun. En 97, on était encore dans ces accueils-là, donc celui-là devait être en travaux à l'époque. Il a été quasiment inauguré au moment de la visite du pape Jean-Paul II, ce qui fait que l'ascenseur qui est central, qui est vitré, a servi effectivement à faire entrer le pape de l'époque dans les sanctuaires. Deux pèlerinages pour le diocèse d'Autun depuis 1908. Ça s'organise à Autun où il y a des pèlerins qui viennent ici. Une hospitalité donc depuis 1908, avec donc bah, des gens comme vous et moi qui payent leur voyage, qui sont pèlerins et qui viennent comme hospitaliers, c'est-à-dire pour aider bah, ceux qui ne pourraient pas venir par eux-mêmes. Donc on accueille en principe 100 malades pour le pèlerinage de mai, 100 malades pour le pèlerinage de juillet. En mai, on est toujours ici à l'accueil Notre-Dame et en juillet, toujours à l'accueil Saint-Fray, pour faire vivre finalement les deux accueils qui ne vivent que des pèlerinages entre Pâques et la Toussaint. Voilà, donc pour vous l'occasion peut-être, certains sont hospitaliers ou connaissent ou sont déjà venus, de voir les lieux, peut-être de retrouver des personnes que vous connaissez qui sont de par chez vous, puis peut-être l'occasion aussi de voir que la structure existe et de pouvoir dire que c'est possible, même quand on est malade, invalide, de pouvoir venir à Lourdes, parce que des voyages médicalisés, il n'y en a quand même pas beaucoup. Là, nos cas sont des ambulances, l'accueil c'est comme un hôpital, il y a un corps médical, il y a tout ce qu'il faut finalement pour accueillir avec, comme vous l'avez vu, une place un peu importante des malades ici pour ce pèlerinage. Donc comme à Lourdes, dans ce que la Sainte Vierge fait découvrir à Sainte Bernadette et donc à nous, il y a la source, l'eau de Lourdes, qui finalement ne connaît pas l'eau de Lourdes, y compris parfois pour en plaisanter. L'eau de Lourdes ici, c'est aussi ce qui vient un petit peu nous réunir. Et donc on vous propose, et on propose ici à ceux qui sont un petit peu chez eux pendant ces 5 jours, de vous accueillir avec ce geste de l'eau. Allez boire à la source et vous y lavez. Il y a le passage aux piscines, vous êtes peut-être allé. Hier, des malades de chez nous ont pu aussi y participer. Mais se laisser laver les mains les uns les autres, c'est un petit peu le geste qu'on va vous proposer là avec ceux qui à la fois sont servis par l'hospitalité, mais qui nous servent aussi, parce qu'il ne faut pas croire, les malades ne pourraient pas venir s'il n'y avait pas les hospitaliers, mais il y a beaucoup d'hospitaliers qui ne viendraient pas s'il n'y avait pas de malades. Donc finalement, voilà, on se rend service mutuellement, en se disant que parfois, on est un peu frileux, on va pas aux piscines, mais se laver les mains, c'est quand même une démarche assez facile. Et en plus, qui représente aussi un geste d'accueil. Si on va dans une abbaye bénédictine, quand on arrive le premier jour, le Père Abbé vous lave les mains en signe de bienvenue, comme Jésus a lavé les pieds des disciples au jour du Jeudi Saint. Je suis venue à Lourdes, c'est le prêtre de ma paroisse qui a emmené le groupe d'aumônerie pour préparer la profession de foi. Et donc c'est là où j'ai découvert l'ambiance de Lourdes. Et ce qui m'a le plus marqué, l'image que j'en ai gardée, c'est une file indienne de charrettes bleues avec des personnes malades dedans et surtout les personnes qui les aidaient à côté.
Et je me suis dit que quand j'aurai la majorité, je serai hospitalière. Donc j'ai attendu d'avoir 19 ans pour appeler l'hospitalité et m'inscrire. Donc je ne connaissais personne. Donc je suis arrivée comme ça dans cette famille. On m'a accueillie remarquablement bien. Tout de suite, la cohésion, plus que l'esprit d'équipe, vraiment la fraternité, quoi. Pour moi, c'est un avant-goût du ciel de vivre cette expérience à Lourdes. Et ça me nourrit pendant longtemps après le pèlerinage et après les moments vécus ici. Et effectivement, les amitiés créées restent fortes durant l'année, même si on ne voit pas forcément les gens, que ce soit les personnes malades ou les hospitaliers hospitalières. Dès qu'on se retrouve, on a vraiment un grand plaisir à repartager des moments, à se donner des nouvelles, à se rencontrer. Voilà, c'est fantastique. Donc j'invite chaque personne à venir découvrir par elle-même cette école de l'humilité et de la tendresse. La relation avec la personne malade est incroyable et unique quand on prend le temps de vraiment partager des moments avec cette personne. C'est-à-dire pas seulement l'amener d'un point A à un point B, mais vraiment l'accompagner dans sa démarche de pèlerinage. Moi, j'aime beaucoup en fait tuer les temps morts et en parlant, en discutant, en allant chercher au plus profond de la personne qui elle est, essayer de la découvrir. Je veux dire aller au plus intime possible, sans rester dans la superficialité. C'est là qu'on découvre de belles choses et que ce lien avec entre personnes en fait, on parle plus de personnes malades, c'est deux personnes qui se rencontrent. Ça c'est très beau, très très fort, et aussi entre hospitaliers, brancardiers, hospitalières, l'esprit de famille est présent parce qu'il y a toutes les générations présentes et les plus âgés prennent soin des plus jeunes et les plus jeunes prennent soin des plus âgés. Et voilà, c'est une circulation d'amour. Oui, c'est de l'amour fraternel. Le fait que vous êtes de différentes générations et de milieux différents, c'est pas une difficulté pour être dans l'unité ? Il n'y en a aucune parce que l'origine géographique ou sociale des personnes importe peu. C'est pas la première question qu'on pose à une personne quand on la rencontre. On veut savoir qui elle est, on parle de nos occupations du quotidien, on est présent à ce moment-là. C'est comme si notre passé, on ne l'emmenait pas avec nous. On est nous, présents, tels qu'on est. On se rencontre tel qu'on est, sans masque. Ben, j'invite chacun à venir découvrir cette expérience. On peut seulement la vivre, c'est difficile de plus expliquer, plus aller en profondeur. Donc oui, c'est nourrissant pour ma spiritualité, à la fois dans l'échange humain, mais aussi dans le recueillement, la ferveur des personnes, les pèlerins qui sont présents à Lourdes, qui viennent de tout pays et qui ont des sensibilités différentes. Et donc on est très enrichi. Par exemple, notamment du côté des cierges, quoi, là où on peut déposer une lumière. Voilà, il y a différentes façons de prier, de déposer sa lumière. Et puis le recueillement qui se trouve à la grotte est vraiment... C'est une atmosphère paisible et très, très enveloppante, très, très douce. Un calme serein qu'on emporte avec soi après le pèlerinage. Voilà, je m'appelle Marcel, je suis médecin généraliste. Je viens à Lourdes pour accompagner les malades en pèlerinage. Pour moi, c'est une expérience très, très importante qui permet de voir le métier de médecin sous d'une autre façon. Avec aussi la spiritualité qu'on n'a pas au quotidien habituellement. Et quand on constate le bonheur qu'on apporte
pour que toutes ces personnes puissent faire leur pèlerinage, vraiment, ça n'a pas de prix, ça donne envie de revenir. Au point de départ, je suis venu pour rendre service. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était bien tout autre chose que de rendre un simple service professionnel. Oui, ça m'a amené à voir quand même les choses un peu différemment. Je m'appelle Bernadette, je suis hospitalière à Lourdes depuis 6 ans. Je suis venue hospitalière parce que déjà d'une part, j'ai accompagné pas mal de malades dans ma famille, mais aux soins palliatifs et en EHPAD. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi tu ferais pas ça à Lourdes ? Et ça m'apporte que du bonheur, c'est enrichissant, les malades nous apportent beaucoup de choses. Et ici, c'est une grande famille, il y a une grande solidarité. Si bien que je sais que samedi, quand je serai dans le quart du retour, je vais déjà me dire vivement l'année prochaine. Donc je dis à toutes les personnes de ne pas avoir peur, mais il faut rentrer à l'hospitalité. Sans se connaître, on s'aide mutuellement, on sympathise, il n'y a aucun souci. Vous avez un souci avec un malade, besoin d'aide, vous appelez qui que ce soit que vous ne connaissez pas, et c'est tout de suite la solidarité. Et ça, c'est important. Et les malades nous disent qu'ils sont bien, et nous aussi, puisque tout le monde revient ici. On fait des échanges, on a des approches différentes, on ne vient pas tous les mêmes milieux, mais quand on est ici, ça ne se voit pas. C'est l'habit qui vous aide à rentrer dans... Pas forcément l'habit, ça aurait peut-être pu être le contraire. Non, mais au contraire, on nous reconnaît. Bon, on nous appelle les sœurs de temps en temps, mais c'est pas grave. Donc Pierre, nous venons, puisque ma femme vient aussi depuis 11 ans. Alors la première, j'étais déjà venu en pèlerinage militaire. Je n'étais pas militaire de carrière, mais pendant mon service militaire. Mes parents venaient beaucoup à Lourdes, donc voilà. Mais on avait dit avec ma femme, quand on sera en retraite, on ira à Lourdes. Et on ira comme hospitalier. Mais la première fois, on est venu un petit peu sur le bout des pieds, parce qu'on ne savait pas bien ce qui nous attendait. Et en fait, ça s'est très bien passé, comme ont dit mes collègues, très bon accueil, et puis ça nous a même fait du bien, si je puis dire. Et très bien, bien sûr, accueillis, on s'occupait des malades, enfin, tout ce qui nous paraissait, moi et ma femme, parce qu'elle est dans le métier médical, mais pour moi, quelque chose que je pourrais jamais faire, non, on s'adapte vite, et voilà, on a eu que du réconfort. Je ne sais pas si on a amené un confort aux malades, mais nous, ça nous a fait beaucoup de bien. Alors Christian, c'était un de mes souhaits de venir à Lourdes, mais je ne savais pas quand, et puis j'ai une amie qui m'a vendu des billets, donc j'ai gagné le voyage, donc pour moi c'était vraiment quelque chose de fantastique de me rendre à Lourdes, et de saisir l'opportunité. J'ai été un petit peu subjugué de voir comment ça se passait. Et puis, donc, la deuxième année, cette amie, elle est revenue à la charge, me revendre des billets. Je me suis dit, bon, ça y est, t'en as pour tous les ans maintenant. Et j'ai regagné le voyage. Il y a eu un signe. Donc, je suis revenu encore en tant que pèlerin, de venir au mois de juillet à Saint-Fré et de visiter l'établissement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc, je suis rentré après à l'aumônerie de l'hôpital. Donc, je visite des malades. Et puis, ça m'a permis de mûrir un petit peu tout ce que j'avais en tête. J'ai fait la lettre pour m'investir au niveau de... pour être hospitalier, voilà. Je me suis fait énormément de connaissances, je vais dire même quelques amis, hein, des bons amis, c'est une grande famille. On partage des moments très forts, je vais dire, entre médecins, entre hospitaliers, entre brancardiers et tout. C'est une famille, hein, on ne se pose pas de questions, on est là, on se respecte. Et c'est vrai que le contact des malades, c'est important. Pour moi, c'est important. J'étais déjà très croyant de nature, et puis donc j'étais pas très disponible étant donné que je travaillais. Et puis là, depuis 3 ans, j'ai cessé mon activité, donc ça m'ouvre encore des portes bien plus grandes. Du coup, Lina Raymond, j'ai 22 ans, et puis j'ai attaqué à venir à Lourdes d'abord en béret rouge, donc j'ai fait 2 années de béret rouge. Et ensuite, en 2014, je suis venue pour la première fois à l'hospitalité en juillet, donc pour accompagner mon grand-père qui était bien content d'amener sa petite fille, et puis moi qui étais un peu plus anxieuse de savoir ce qui m'attendait parce que
Ça m'angoissait quand même un peu. Mais enfin bref, le pèlerinage s'est très très bien passé. L'année suivante, je suis revenue sans mon grand-père parce que je suis revenue en mai. Et voilà, donc ça m'a toujours beaucoup beaucoup plu. Toute l'année, on attend le pèlerinage avec impatience quand même. Voilà, c'est la grande famille de l'hospitalité. On rencontre des gens très très bien. On se fait des belles amitiés, que ce soit avec les hospitaliers ou avec les malades. Voilà, on essaye de prendre des nouvelles des malades le reste de l'année. On essaye de continuer à les voir un peu, continuer Lourdes en dehors de Lourdes, quoi. Et puis, du coup, cette année, donc pour le 5e pèlerinage, donc j'ai reçu la croix d'émail en hérite. Enfin, c'est la croix de mon grand-père qui arrête d'être hospitalier cette année, qui me l'a transmise. Donc normalement, pour voilà, j'ai encore 20 ans au moins à faire pour faire aussi bien que lui. Les malades nous apportent beaucoup, beaucoup. Ils disent souvent qu'on est leurs anges gardiens, qu'on a du courage, tout ça. Mais en fait, c'est eux qu'on en a beaucoup. Et franchement, ils nous font beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Votre prénom, c'est Sylvain. Première année en cure. Je venais à la découverte et puis je vois que je peux me faire des amis, si bien féminin que masculin. Puis l'ambiance est bonne, franchement. C'est bon, là j'ai déjà assez avancé, mais bon, je suis un peu le requin de la bande. Non, mais je suis pas déçu. Ça m'encourage peut-être à revenir l'an prochain. J'ai pas encore pris ma décision, mais ça a mûri petit à petit. Là, c'est un lieu unique que vous n'avez pas trouvé ailleurs. Ah ben non, mais je suis en pleine découverte là. Je pensais tomber dans un truc bon. C'est assez strict, mais bon. La découverte, c'est à quel niveau? Bah, tous les niveaux, parce qu'on voit des gens de toutes catégories. Et puis, suivant notre compagnon de chambre, c'est un être qu'on découvre aussi. Mais c'est géant, comme les jeunes disent. Non, je connaissais pas du tout ça, mais ça vaut le coup. Non, mais c'est bien, c'est beau quand même l'extérieur. Je vais pas emmener l'orque hein, sur la cathédrale parce que j'aurais pas le droit. Mais bon, il n'y a pas la place dans les bagages. Et je le ferai. Bon. J'espère. Je reviens pour repartir en marchant. Je suis venu en marchant, je repars en marchant. Mais bon, on verra. L'avenir va le dire. C'est un coup de folie de venir là. C'est surtout une découverte. C'est, comment dire, des personnes qui sont qui encadrent les malades, qui m'ont proposé de venir. J'ai réfléchi un petit moment, puis j'ai dit, je vais peut-être y aller, des fois on sait pas. Parce que je suis croyant sans plus, pratiquant vraiment très peu, donc les effets secondaires. Je ne sais pas. Le pèlerinage en lui-même, en n'étant pas très pratiquant, ça vous a gêné ou pas? Non, ça m'a pas gêné. Ça m'a prouvé que, au niveau des prières, j'étais un peu limité. Je ne peux pas sortir ça par cœur sans lire. C'est parce que quand j'étais gamin, j'ai fait ma communion, mais après, plus rien. La pratique. Pas le temps. Puis je prends pas le temps, c'est tout. Peut-être on vous revoit dans un an alors. Ben, ça se peut, dans un an ou dans un an et quelques mois. J'ai pas encore pris la décision si tu revenais au mois de mai ou des fois au mois de juillet, j'en sais rien. C'est difficile à décider. Mais en revenant au mois de juillet, apparemment les gens sont plus jeunes. Alors moi je suis Laurent, j'ai 44 ans, je viens à Lourdes depuis 24 ans, je pense que je suis venu je pense 35 fois, donc je suis hospitalier de Lourdes, donc l'hospitalité d'accueil et l'hospitalité d'accompagnement depuis 95 je crois. Donc voilà, donc la première, donc je suis, à l'époque j'étais aide-soignant quand j'ai commencé,
Et la première fois où je suis venu, quand je suis monté dans le train, après le voyage, je me suis dit, où est-ce que t'es parti ? Voilà. Travailler à l'hôpital avec des règles et tout, là je me disais, j'avais trouvé ça vraiment très compliqué. Et arrivé ici, là c'était totalement différent. Donc la première année, dès la première année, donc j'ai découvert la fraternité entre hospitaliers, parce que là je pense qu'on va très loin dans la relation, on rencontre des gens très peu de temps, mais on va très loin dans ce qu'on... On va à des gens qu'on connaît à peine, se livrer, décharger aussi nos fardeaux, de ce qui peut nous... nous croire un peu, hein, tout ce qui peut être compliqué pour nous. On parle beaucoup, on a vraiment des relations, on est à cœur ouvert avec les gens, quoi. Et donc ça, je pense qu'il y a... Lourdes est un lieu vraiment de... justement d'échange, d'accueil. Lourdes m'a beaucoup apporté parce que j'y ai vécu beaucoup de choses. Déjà j'ai rencontré mon épouse qui était hospitalière, donc on s'est rencontré à Lourdes. J'ai rencontré des amis, vraiment des gens, en particulier le père Rémy là, qui est notre aumônier, où j'ai vraiment vécu des choses merveilleuses avec lui, même des épreuves qu'on a vécues ensemble. Et avec lui, j'ai pu cheminer sur ce que je suis maintenant, parce que je suis aussi, donc maintenant je suis infirmier, mais je suis aussi diacre permanent pour le diocèse. Donc j'ai cheminé avec. Je pense que c'est toutes ces expériences qui m'ont permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc je pense que sans Lourdes, sans ma grand-mère, c'est pareil, j'avais gagné un voyage, c'est ma grand-mère qui m'avait gagné le voyage, et puis elle m'a dit, comme t'es soignant, elle venait avec les malades depuis longtemps. Elle m'a dit, je connais bien, et je le connaissais aussi, Henri Guignon, là, qui était notre ancien vice-président, qui m'a proposé de venir avec l'hospitalité. Voilà, et donc je suis revenu plusieurs fois, quelques fois avec mon épouse, on est venu en famille. Et voilà, mes deux dernières filles pensent qu'il y a une chose, c'est revenir à Lourdes avec moi, quoi, donc, avec nous. Donc j'espère que ça sera. Parce qu'elles ont vécu aussi des choses, des amitiés fortes, des gens vraiment profonds, avec des amitiés sincères. Et ça, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué de créer ces liens. Et là, Lourdes, pour ma deuxième, pour Clotilde, elle l'a vraiment créé. Avec Lina, là, qui a parlé tout à l'heure, là, et voilà. Où il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, quoi. Et je pense que le Seigneur nous comble de ses bénédictions. Et Marie intercède pour nous, là, vraiment, auprès de son fils, justement, pour nous faire vivre ça. Et puis nous permettre d'avancer et de continuer notre chemin malgré tout ce qu'on peut vivre au quotidien. Et vivre notre foi, voilà. En plus, j'aime beaucoup la liturgie, moi, donc c'est toujours un plaisir pour moi d'être ici. Et dans la rencontre avec les patients, avec les malades, on a vécu avec des patients, des choses merveilleuses. Hein. Avec une hospitalière, avec une infirmière, une de mes collègues infirmières, là, avec qui on venait... Hein. On a un jeune couple là qu'on a accompagné pendant très longtemps, qui était tétraplégique tous les deux. Et on a vécu des choses merveilleuses avec eux. Avec Franck, on a fait le pèlerinage, mais on a fait la procession avec les militaires, parce que c'était un ancien militaire. Donc on a vécu des choses vraiment, vraiment merveilleuses. Et des liens, et même si on se voit pas, il y a un an, on dit toujours qu'on va se revoir. C'est un peu compliqué parce que tout le monde reprend sa vie. Et on se revoit, on arrive en pèlerinage, c'est comme si on s'était quitté la veille, quoi. Ça, c'est... Et ces choses-là, on a vraiment. Enfin, moi personnellement, je les ai jamais vécues ailleurs qu'ici et dans ces contextes. Il y a quelque chose de particulier ici, comme s'il y avait des murs qui nous protègent. Ah oui, c'est vrai qu'on vit un petit peu en dehors du temps. Et qu'on peut vivre l'évangile et le partage. Ah oui, là. Et pas ailleurs, mais ici déjà. Ici déjà, oui, ça c'est sûr. Ça c'est. On a des temps d'échange entre nous, justement, sur des paroles, des thèmes de la vie quotidienne, avec mes collègues infirmières ou médecins, là, sur des sujets comme la fin de vie, comme la prise, prendre soin des gens, prendre soin des malades, quoi. Donc là, on prend soin des gens.
là, on prend soin d'eux. On ne les soigne pas, on n'est pas là dans un esprit curatif, on prend soin d'eux. Donc bien sûr, en faisant du curatif, en faisant tout ce qu'il faut pour justement qu'ils aillent bien, mais là, on prend soin des gens. On prend soin des gens, on les accompagne dans leur démarche de pèlerinage, et nous, on pèlerine avec eux, quoi. C'est vraiment, on est vraiment... La démarche du bain, là, moi j'étais hospitalier aux piscines, là, la démarche du bain, c'est des choses qu'on a vécu, des choses merveilleuses. Quoi. Il y a des émotions, je pourrais même pas les décrire, ce que j'ai ressenti. Avec des gens dans le silence, sans parler, sans, rien qu'avec des regards, des attentions, voilà, une émotion, un hospitalier qui me pose sa main, simplement. Et des choses simples, mais qui font du bien et qui nous permettent d'avancer. Deo gracias. Bonjour, moi je m'appelle Marie-Paul, je suis infirmière du côté de Paray-le-Monial. Et puis, mon engagement hospitalier a commencé par une invitation. J'ai pris le fait d'avoir gagné lors d'une distribution de billets de Lourdes. J'ai gagné le voyage et j'ai reçu ce cadeau comme une invitation de la Sainte Vierge. Et donc, moi, quand je suis venue la première fois avec mon père, je voyais plein d'hospitaliers. Je crois que c'était toutes des infirmiers, enfin infirmières. Je me disais, je savais pas trop l'histoire. En 2007, que j'ai gagné ce voyage, j'ai dit, ah, ben, tiens, pour la deuxième fois, j'irai bien, mais... en tant qu'infirmière, là, cette fois. Et puis, on m'a accueillie, mais vraiment à bras ouverts. Donc, j'y suis allée au pèlerinage de juillet. J'ai trouvé une ambiance très, très fraternelle. Je me suis dit, mais c'est le ciel rejoint la terre, vraiment, dans ce côté où c'est un moment extraordinaire de fraternité. Et un moment vraiment qu'on aimerait d'ailleurs qu'il soit vécu dans le monde, quoi, de cette façon-là, quoi. On a l'impression que même pour notre vie de couple, ça nous élargit le cœur, quoi, aux autres. Ça nous donne l'amitié entre nous grandit, et puis oui, ça donne une dimension à notre couple, je trouve. Alors on y revient, et chaque pèlerinage a un thème spirituel qui nous porte pendant l'année, en fait. Et c'est des thèmes qui nous permettent d'approfondir l'évangile et qui nous nourrissent pour l'année, en fait. Et on revient, on s'abreuve aussi bien de la parole de Dieu que cette vie fraternelle. Et en même temps, on est dans l'obéissance au message de la Sainte Vierge qui nous dit de venir en procession, adorer son Fils, hein, nous conduit vers son Fils. Et puis on se dit de toute façon qu'on n'est pas éternel et qu'un jour ou l'autre, nous aussi, on deviendra malade. On se prépare aussi à la rencontre avec la vie en Dieu. Voilà. Petit à petit, pas à pas et d'année en année. Voilà. Et c'est vrai que ce temps de partage, on aimerait tellement que beaucoup de personnes le connaissent, c'est vrai. Mais c'est vrai que nos enfants posent beaucoup de questions à se dire, mais ça va vous fatiguer, mais vous devriez prendre plutôt des congés, tranquillement. Et nous, on y retourne, c'est plus fort que nous. Je leur dis souvent, oui, d'accord, c'est de la fatigue, mais c'est un temps où vraiment il se passe vraiment quelque chose d'extraordinaire, qui nous regonfle quand même d'énergie. Et ça, c'est le miracle de Lourdes. Et puis alors, on a l'impression qu'on est une famille autour de la maman du ciel, quoi. On est les enfants qui viennent voir leur maman et qui partagent quelque chose de merveilleux. Enfin, moi, c'est vrai que... D'accord, on vient avec toutes nos faiblesses, nos défauts, mais petit à petit, peut-être que
on relativise des choses petit à petit. Alors, je m'appelle Marie-Madeleine Montero, je viens de Mâcon et ça fait la cinquième année que je suis au service des malades. Voilà. Comment je suis venue? Il y a 5 ans, je ne connaissais pas Lourdes, je ne connaissais personne, mais il y avait quelque chose qui me disait que s'il faut découvrir Lourdes, ce sera au service des malades. Et je me suis lancée. J'étais bien reçue, j'avais un responsable super, une bonne équipe. Et depuis, tous les ans, au mois de mai, je viens au service. Je demande une semaine de congé pour pouvoir venir. Voilà. Et je crois savoir qu'il y a une bonne ambiance dans. Tu peux nous en parler? C'est des gens de travail, parémonial ou un peu partout. Il y a quelque chose entre nous, voilà, on ne peut pas. Quand on arrive, on se fait connaissance et puis on est vraiment dans un autre monde. Même entre nous, on se découvre, on garde contact après, même avec nos malades. Même si on ne les a pas tous les ans, on les croise, ils nous reconnaissent. C'est super, oui. Il faut venir, c'est super. On prie pas mal, même avec les malades. Et certains aiment bien qu'on les accompagne pour prier ensemble. Et tous les matins, à 5h30, 6h, on monte au 5e étage. On se réunit tous pour parler de la journée, parce que des fois, ça peut modifier suivant le temps. Et puis, on fait une prière ensemble. Et après, on descend, on fait une autre prière par petit groupe. Et après, on réveille les malades. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil d'avoir participé. Merci. Marie-Louise, maintenant... que je ne peux plus venir pour aider les autres, on prend soin de moi pour les processions et autres chemins à faire. On me roule en charrette, en voiturette. Voilà, je suis très contente de pouvoir avoir pu venir. Je suis venue pour aider faire un petit en service de 1980 à 2017, sauf peut-être en 1999 que je ne suis pas venir au berlinage, que j'ai perdu mon épouse. Je suis à Lourdes, on vient pour payer la Vierge, on fait ce qu'on peut tant qu'on a les moyens. Quand on peut plus faire on ne fait que prier, puis je me fais aider. Voilà. J'espère pouvoir y revenir encore. Quelques années comme ça. Si Dieu me donne la force et la vie. Les hospitalières et les brancardiers sont toujours tout aussi sympas les uns que les autres. Les dames toujours aux petits soins auprès de nous. On est très bien comme ça. Merci aussi à vous. Nous te prions pour tous les membres de l'hospitalité qui donnent sans compter pour l'accueil des personnes malades et nous te remercions pour leur présence active et bienveillante. Za wszystkich tych, którzy przygotowują się do chrztu. Terzo mistero glorioso, la discesa.